Bonjour tout le monde, ici Endo pour le 6ème épisode de Regard dans le rétro sur Pokémon version argent. Alors, la dernière fois on s'était arrêté juste devant l'arène de Rosalia. Alors, on va pas mettre. Oh, si on veut mettre Kadabra en premier. Alors, cette arène elle est particulière parce que comme vous voyez, il y a une sorte de tapis noir. Et si on ne suit pas un chemin précis, à chaque fois on est ramené au début. C'est risqué. J'attaque avant. Super. Alors, que je me trompe pas, Kadabra est fort contre Photominus parce que le Psy est fort contre le Spectre. Non, c'est l'inverse. C'est parce que Photominus est de type Poison. Le Psy est fort contre le Poison. Et Photominus est fort contre moi parce qu'il a des attaques de type Ténèbres, justement. On change pas, on garde Kadabra. Toujours pas. Niveau 18, ça augmente très vite là. Hein. Entrate, c'est pas très utile. Là où ça, j'envoie Photominus, le dernier. Le chemin je connais par cœur et évidemment en fait ce chemin est particulier parce que il nous fait passer devant absolument tous les dresseurs de l'arène. Pas le choix, faut tous les faire. Ah là, c'est peut-être plus dur pour Kadabra là, on va voir ce que... Hein, j'attaque avant. Alors est-ce que ça va le one shot? Ah, presque. Aïe aïe aïe. Non, c'est bon. Parfait. Ah non. Ça, c'est pas cool. Si tu résistes, c'est bien. Nickel. Alors du coup là on va changer, on va envoyer Rookoops. Pourquoi Rookoops? Parce que les attaques de type ténèbres n'affectent pas le type normal. Sauf s'il fait malédiction. Que moi. Ça change pas grand chose, le combat est fini. Cyclone, non, on n'a pas besoin. Quoique... Qu'est-ce qu'il a d'autre? Bon, on va virer jet de sable. Hein. Alors, déjà ça.
Ensuite... Voilà. C'est reparti. Rodolphe Sage. Ah. Bah là, si j'attaque en premier, c'est un miracle. Waouh. La dernière madame. Marthe médium. Adieu. Peut-être le one shot maintenant que je suis niveau 20. Ouais. Oui, bien notre Kadabra a bien rattrapé son retard par rapport à nos trois autres Pokémon. Il apprend Rafale Psy, oui! Très bonne attaque! Je dois avoir une potion qui traîne. Bon, ça va suffire, on n'est pas à 2 PV près. C'est parti! C'est bien d'être venu. Ici, à Rosalia, les Pokémon ont été vénérés. On dit qu'un Pokémon légendaire apparaîtra pour le dresseur le plus puissant. J'ai cru à ce compte et je me suis entraîné ici toute ma vie. Au final, je peux voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Juste un peu plus, encore un peu, et je pourrai voir dans le futur et voir ma rencontre avec un Pokémon légendaire. Tu vas m'aider à atteindre ce niveau. C'est parti. Mortiplier Champion veut se battre. Il a que ça, hein, que des fantominus, des spectrums, il doit avoir un ectoplasma peut-être. Aucune pitié. Non, non, non. On garde Kadabra, il fait très bien le boulot. Ah. Ça, c'est moins cool. Beaucoup moins cool. Et bon, ok. Bah, on va envoyer vos coups. Sachant qu'on sait qu'il est pas plus rapide. Ah, c'est tout ce que je voulais pas. Ah. Ah, génial. Waouh. C'est beaucoup, beaucoup de dégâts quand même.
tenter le coup, hein. Sale bête. Bon, c'est foutu quoi qu'il arrive, allez hop, tue-moi. Essayer avec l'énergie, essayer de le paralyser. Mais bon, j'ai pas trop d'espoir. Ah, peut-être que. Allez! Oui! Maintenant, j'attaque avant lui. Bon, on a quand même de la chance là, hein. Ah, beaucoup moins. Le truc c'est que s'il nous fait dévorer, j'ai pas de réveil. Ah, j'ai un total soin. Et ouais, ça marche pas du coup. Je crois que ça le tue. Yes. Énergie niveau 22. Je dirais pas d'apprendre une nouvelle attaque électrique parce que éclair c'est quand même faible. Même punition pour lui car j'éclaire en premier. Il a quand même fallu 6 éclairs pour battre ectoplasma. Peut-être 5 pour celui-ci. Sauf s'il réussit ses attaques. Je crois que l'énergie meurt. Ouais. Reste plus que Furisson. Bon, normalement c'est bon puisque j'attaque en premier. Voilà. Combat compliqué quand même, hein. C'était pas si simple que ça. Badge brume. Le quatrième. On peut utiliser surf en dehors de combat. Bon, c'est pas encore utile vu qu'on n'a pas encore Pokémon eau. C'était 30, c'est lequel déjà? C'est ballon il me semble. Oui. Alors hop. Centre Pokémon. On en est où là? 25. Est-ce que ce serait pas le temps de passer au shop? Moi je pense que oui, hein. Il est là. Alors, Super Bowl, oui. 11, ça devrait suffire. Super Potion, pareil. On va prendre... Non, peut-être pas autant, on va en prendre 2.
attaque. Direction l'ouest. Isaac Marin veut se battre. Un axolotl. Pas de pitié pour la vermine. Je suis un as, ouais. Et chers téléspectateurs, je vous présente Armel Fillette. Je vous avais déjà présenté Gina Picnic et Samson Écolier qui donnaient respectivement la pierre plante et feu et son premier numéro de téléphone. Et voici Armel Fillette qui donne une pierre foudre. Copiteuse a fait comme moi. Oh oui, ça l'a rendu confus. Ah, dommage. Et voilà. Deuxième Pokémon, c'est un Psychoquack. Est-ce qu'on change? Oui. On va envoyer l'énergie. Parce que ça serait temps qu'il apprenne une nouvelle attaque électrique. Je crois que la prochaine qu'il apprend, ça doit être point éclair. On comprend pas son numéro de téléphone parce qu'on n'a pas besoin de la pierre foudre. Monsieur Mime, Pokémon de type Psy. Bah, du coup, ça va pas être efficace. Yoga. Et bien, on va changer pour pour l'énergie, du coup. Qu'il a fait. Ah. D'accord. S'il veut. Donc l'énergie reprendra sûrement point éclair niveau 30 si je dis pas de bêtises. Et ça sera pareil pour Feurisson, elle apprendra une nouvelle attaque, route feu niveau 30. C'est vrai, il va absolument nous la falloir pour la sixième arène. Ouh là là, c'est pas passé loin. Magnéti. On va prendre la fuite. T'es mignon comme dresseur, merci. Je peux avoir ton Pokémon? Bah non.
Gourdas. Volplante. On va quand même faire Rapalapsie. Voilà. Oui, on va changer, on va envoyer l'énergie. Il est plus rapide que moi. 5 niveaux d'écart et je suis moins rapide que lui. Ah non, il n'est pas de type vol, dis donc. Si j'avais essayé, j'aurais envoyé Furisson. Merci, je suis gentil. Bah, ok, si tu veux. Ah! L'œuf éclos enfin! C'est un magnifique Togepi qui ne servira à rien. Trop chiant à faire évoluer. Puis, niveau normal, enfin, type normal, psy, je crois. Pas très efficace. Armolos, Pokémon de type psy et on va envoyer l'énergie. Sérieusement. Tu me fais une charge? Bah moi aussi, tiens. Deuxième Romulus, on va garder l'énergie. Les Pokémon, c'est les plus forts du monde. Non, clairement pas. En plus, on a dit mes Pokémon, mais il en a qu'un seul. Tout ça pour un Pikachu. C'était rapide. Si tu veux, écoute. Tatiana. Encore un Pikachu. Décidément. Mais volontiers, cher monsieur. Jacob Marin veut se battre. Ah,
Teta, Pokémon type combat et eau. Ça sera pour Kadabra du coup. Vu que le type combat est faible contre le type psy. Ah. C'est pas spécialement efficace, mais je l'ai battu parce que j'ai fait un coup critique. C'est parce qu'il est juste de type eau, mais avec des attaques de type combat. Un rat-attaque. Oui, on va changer un petit peu. On va mettre, je sais pas. Tiens, on va mettre Fleurisson, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Niveau 25. J'en ai encore un Krabby. Oui. Pokémon de type eau, on va envoyer l'énergie. Voilà, c'est fini. Alors voilà lui. Encore toi, bah ouais, toujours moi. Pas la peine de paniquer, je ne me tracasse pas avec des minus comme toi. Ouais, en parlant de Gringalet, le champion des rats n'est pas ici, je sais où il est. Il est soi-disant en train de s'occuper du Pokémon malade au phare. Eh oui. Boufou, laissons donc filer les Pokémon malades. Un Pokémon qui ne peut pas combattre est inutile. Waouh. Pourquoi ne vas-tu pas t'entraîner au phare? Bah c'est ce que j'allais faire justement. Mais avant, on va récupérer autre chose. Ça d'abord. Ensuite, ici, il doit y avoir ce que je cherche. Ça doit être toi. Et voilà. CS04 qui contient force. Il manque quelqu'un à aller voir. Non, il est par là. Où est-ce qu'il est déjà? Ah, c'est là. Une super canne, ça nous permet de choper des Pokémon de niveau 20 dans l'eau. Et c'est exactement ce qu'on veut. Nous allons tout de suite le chercher. Je me trompe pas, on peut l'avoir qu'à un seul endroit. Et c'est ici. Super canne. Rien du tout, pas de chance. Ouais. Oh. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Vraiment. Attends, s'il te plaît, je ne veux pas de toi. Je dois même passer pour passer au niveau suivant. Mince. Ah là là. Deuxième tentative.
là non, hein. Persuadé que c'était ici. Me serais-je trompé? Allez, on y croit. Oh, c'est très rare ça comme Pokémon. Je m'attendais pas à ça du tout. Le problème c'est qu'il pourra pas prendre d'attaque type glace. Ah mince. Oh mince, j'ai fait un coup critique. Zut. Je voulais le prendre au cas où quand même pour avoir un Pokémon type eau et la prendre surf, mais. Ça s'est pas passé comme prévu, décidément. Allez. J'ai dit aller. Sapristi. Mais ça va mordre, oui. Ah. Ah bah voilà. C'est celui-là que je voulais. Alors on va pas faire un flop psy, c'est peut-être un peu fort. On va faire choc mental. Stop, stop. Non. C'est la vidéo de l'échec un peu là. Et bah ce qu'on va faire c'est qu'on va pas envoyer Kadabra, du coup Kadabra doit être trop fort. On va envoyer Rookoops, on va lui faire des attaques de merde. À la charge, on verra bien ce que ça donnera. Ah là là. Il me le faut, hein. Je le veux. Oh. Mais va-t'en, sombre merde, je ne veux pas de toi. Allez, cette fois c'est la bonne. Oui. Bah voilà, envoyé comme ça. Encore un. Ouh là là, Umbreal, il a déjà une attaque glace. Ce coquillage me donne très envie. Nickel. On utilise l'Apaball parce qu'elle est efficace contre les Pokémon pêchés. Et voilà. Super. Les grains de sable coincés dans sa coquille mélangés à ses fluides créent de superbes perles. Donner un surnom à Coquillasse, non. Et on va tout de suite lui apprendre... Surf. Il connaît déjà 4 attaques. Oui. Et ben on va virer repli. Alors, tant qu'on y est, on va aussi utiliser force. Ça sera pour l'énergie.
classement, du coup. On continue avec Flash. Cette fois-ci, c'est pour Kadabra. Et ben, on va enlever Téléport, du coup. On s'arrête pas là, il y a Ballombre que je veux faire apprendre à aussi Kadabra. Et on enlève Entrave. Et ben voilà, bonne chose de faite. On va aller soigner notre... chaque coquillage pour notre Pokémon. Mince. Ah. Maintenant, on va se mettre devant le phare. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la commenter si elle vous a plu. Suivez Vassan Studio sur les différents réseaux sociaux. A la prochaine tout le monde. Ciao !